disais, bah, c'est les bars un peu spécial. Bah non, mais bon, après... Non, mais le truc de match, je vais pas dire que l'ancienne vraiment a disparu, mais là, elle est revenue, en tout cas. Non, mais j'ai une petite discussion avec Fred. Bah, il je sais pas s'il l'a dit, alors... Il a dit, il n'y a rien de négatif. Non, mais de toute façon, je pense que les entretiens qu'on a, il peut sortir que du positif. Hein. Voilà, après, je pense que mon rôle de meneuse, le fait que je mette du rythme et tout, je le faisais, même si voilà, il y a certains matchs où j'étais en dessous. Après, j'essaie de prendre un peu plus mes responsabilités aussi au niveau du scoring. Donc voilà, je pense que je suis un peu plus relâchée sur ces derniers matchs. Et voilà, je montre que j'ai envie, j'ai de l'enthousiasme, je le sens même moi, au fond de moi. Donc voilà, je pense que c'est ça qui fait aussi que je sois un peu plus libérée et je sois moins stressée de shooter, de scorer. Et voilà. En gros, ce qui t'a reproché un peu, de pas te lâcher. Oui, c'était un peu ça, parce que... Ouais, non, mais après, comme je l'ai dit, c'était des défenses aussi en face qui... Quand t'as une zone, te lâcher sur une zone, c'est compliqué. Donc, voilà, c'est des shoots que... Enfin, voilà, là, ça fait 5 mois qu'on est ensemble, donc ça commence à rentrer dans la tête. Parce qu'on travaille ensemble, pardon. Et non, mais du coup, c'est vrai que il attend aussi un rôle un peu différent de celui que j'avais à Montpellier, où il fallait vraiment que je mette juste l'équipe, point barre, quoi. Parce que, voilà, j'avais ce boulot à faire. Et voilà, ici, il me rappelle que j'ai aussi un rôle important et un rôle de leader à avoir. Et forcément, même moi, je pense que ça me fait plaisir aussi de scorer un peu plus, en même temps de mener l'équipe et voilà, d'être là pour elle. Est-ce que tu as eu un doute un moment sur la confiance que pouvaient avoir soit tes partenaires, soit ton coach? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu es sensible par tempérament? Non, je pense pas que j'ai eu un doute, tu vois, sur leur confiance et tout, parce que... Bah, je pense qu'il me le rappelle assez souvent aussi que voilà, il a confiance et tout, les filles c'est pareil, mais que ce soit pour n'importe qui, entre nous, c'est vrai que les joueuses, je pense que tout le monde a confiance en tout le monde et on se le rappelle bien quoi. Donc déjà ça te pousse un peu plus. Voilà, après je pense que c'est moi qui réfléchissais peut-être un petit peu trop. Voilà, non, mais c'est vrai que des fois on a des shoots ouverts, après moi peut-être que je ne le sens pas à ce moment-là, mais tout le monde me dit t'avais 10 secondes pour shooter et tu l'as pas pris quoi. Donc voilà, maintenant j'essaie de vouloir avoir envie de shooter avant de recevoir la balle, comme ça, voilà, je pense que ça marche. T'as passé combien de temps, Montpellier ? 4 ans. Donc pendant 4 ans, t'as dit shoot pas, c'est ça, hein ? Non, enfin après moi je jouais sur mes points forts, les percussions et tout ça, mais c'est vrai que par rapport à mon shoot, je le bossais à l'entraînement, je le bossais avec l'assistant, avec Yprat. Et voilà, la dernière année, oui, je shootais à l'entraînement, parce qu'il me disait shooter à l'entraînement, mais c'est vrai qu'en match, c'était pas trop mon rôle, il fallait que je cherche un peu plus les shooteuses. D'ailleurs, il y a une période où tu étais derrière. Le doute s'est installé à ce moment-là. Parce que... T'as une frustration d'être muselé? C'était un peu ça, mais après, c'était mon rôle de passeuse en fait. Après, je me suis mis vraiment dans ce registre et du coup, voilà, je faisais vraiment jouer que l'équipe. Alors après, je pense que je le faisais bien, hein. Pas de soucis, mais c'est vrai que forcément, quand tu scores pas ou que tu essaies de pas prendre tes shoots, ça te frustre un peu. Ouais. Non, t'as fait qu'une saison comme première meneuse en fait à Montpellier, avant t'avais Edwige devant. Ouais, avant j'avais Edwige devant, donc c'était un peu plus compliqué à l'arrivée d'Edwige, puisque la première année où je suis arrivée, j'ai fait mes preuves tout de suite parce qu'ils étaient un peu déçus de la meneuse qu'ils avaient recrutée, l'Australienne, Alice Saboto. Donc j'avais fait mes preuves et tout ça, et Edwige est arrivée ma deuxième année, et là je me suis retrouvée un peu plus sur le banc, donc déjà j'étais un peu frustrée, j'ai joué moins, la troisième année pareil, et voilà, et la dernière année, on a partagé avec une Bretonnée. C'était elle qui était plutôt chargée de shooter. Ah bah elle, de toute façon, c'est une shooter, hein. On va dire que... On l'a vu hier. Non mais c'est ça, son rôle c'est quasiment les trois points. Enfin, à la limite, moi j'ai, par rapport à elle, j'avais plus la vision du jeu et le fait de faire jouer l'équipe, faire les passes et mettre en place. Et Grid, c'est une traillette à trois points. Quoi. Voilà, on se